Hello tout le monde, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler multimasking. Donc j'ai reçu de la part de Octoly les nouveaux masques de chez L'Oréal et je comptais vous en parler dans une vidéo spéciale parce que je pense que c'est un concept vraiment sympa. Donc voilà, j'aurais pu juste vous en parler en vitesse, mais j'ai vraiment décidé de leur dédier une vidéo pour vous expliquer un petit peu leur effet, etc. et surtout ce que j'en ai pensé. Donc si vous me suivez sur Snapchat, je vous avais demandé si vous vouliez un crash test de ces masques et vous m'aviez dit oui, vous aviez été 200 à screener je crois la photo, donc j'étais partie pour faire ça. J'ai filmé le crash test, mais voilà, donc j'avais appliqué devant vous, etc. Mais la vidéo ne rend rien du tout, donc j'ai décidé de pas la poster, ça rendait vraiment rien, c'était flou, j'avais mal fait les plans, etc. Donc j'ai réappliqué ces masques hier soir, je vous ai filmé l'application sans son, etc. Je vais vous la mettre juste après, et ensuite je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé, etc., etc. Donc je vous mets les images et on se retrouve juste après. Démaquillée avec les trois masques, j'avais une super tête de clown, c'était parfait pour Halloween on pourrait dire aussi. Du coup, je vais vous dire vite fait ce que je pense de chacun des trois masques. Je vais commencer par celui que j'ai aimé le moins, mais je pense que c'est tout simplement parce que j'en ai pas besoin, parce que je fais pas mal de gommage etc. Du coup ma peau elle est plus ou moins déjà lisse, donc je vais vous montrer un peu, j'essaie de pas en faire tomber parce que je suis sur mon lit donc ça serait bête. Il est comme ceci, donc il a des petits grains, il est dit qu'il faut l'appliquer du coup normalement et l'enlever en faisant des petits mouvements circulaires pour qu'il gomme en fait. Donc voilà, il est pas mal, c'est pas ce que je dis, c'est juste que j'utilise déjà plein de gommage pour le visage, du coup un masque qui gomme pour moi ça ne sert à rien et j'ai déjà la peau plus ou moins lisse, donc voilà, c'est vraiment l'effet plutôt détoxifiant et purifiant que je cherchais. C'est pour ça que je préfère les deux autres. Donc par ordre de préférence, mon moyen, celui que j'aime bien mais c'est pas le préféré, c'est le purifiant du coup. J'ai un peu moins aimé la façon dont on l'enlève, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, si vous vous rendez compte, mais il était très dur à enlever, il s'effritait un petit peu, c'était pas très agréable, mais l'effet était plutôt pas mal. Ce matin quand je me suis réveillée, ou même hier soir après avoir rincé mon visage, je sentais que c'était vraiment tout lisse, tout doux. Donc matifie, après ça je peux pas trop vous dire, j'ai la peau mixte, donc normal à mix, donc je sais pas trop si ça matifie. Quoi qu'il en soit, je l'ai quand même bien aimé. Je sais pas si ça fait un effet fou comme ça, ça fait que deux fois que je l'utilise, mais vraiment j'ai bien aimé l'application. Je sais pas si vous avez vu, moi je l'ai appliqué au pinceau, mais j'ai vraiment trouvé ça agréable, la texture bien, c'est exactement le type de masque que je recherche. Et donc mon préféré c'était le masque détox au charbon, celui-là ça a été vraiment mon coup de cœur. J'adore la texture, j'adore l'application et surtout j'adore ce qu'il fait à ma peau. Je vous assure qu'hier soir quand je suis sortie, enfin quand une fois que j'avais tout enlevé et tout, vous avez vu au gant, j'avais les joues toutes douces, toutes agréables. Du coup je vous montre, j'ai oublié de vous montrer le verre, mais bon il a rien de précis. Celui-là, donc il est au charbon, j'adore la texture, je pense pas que vous verrez d'aussi loin. Mais en fait il est comme, je sais pas, on dirait du caoutchouc fondu, je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est vraiment super agréable. Du coup mon ressenti n'a pas changé par rapport à la première fois. J'aime toujours celui-là en premier, le lissant un petit peu moins. Mais après voilà, c'est vraiment juste, si je veux faire un gommage à la limite je ferai un masque entièrement avec celui-là, mais comme je fais pas mal de gommage déjà, je préfère celui-là largement. Ce que je trouve très sympa dans cette gamme en fait, c'est le fait qu'on puisse choisir qu'est-ce qu'on met où, ça ne veut rien dire ce que j'allais dire. Mais en fait par exemple avant j'utilisais des masques normaux, hein, dans des tubes etc, et je mettais le même partout, et c'est vrai que par exemple j'ai peut-être plus besoin d'exfoliation, d'affiner les pores autour du nez, plus besoin de matifier sur la zone T, et plus besoin de voilà. Au lieu d'appliquer un masque partout alors qu'on n'a pas besoin forcément, par exemple un purifiant, il n'y a pas besoin sur tout le visage, voilà ça c'est un exemple, hein. Et ben là je trouve ça super pratique, je trouve ça super fun, ça fait des têtes rigolotes etc, moi j'aime beaucoup le faire, je suis super contente d'avoir pu les tester. Et comme vous avez vu dans la vidéo, hier soir je pense que j'aurais laissé le passage, je m'hydrate après avec le Moisture Surge de chez Clinique. Normalement je le mets le matin, tous les matins, mais je n'utilise pas le soir, je mets une crème hydratante normale le soir de chez Nivea je crois.
Mais là je l'ai appliqué après mon masque parce que je trouve qu'il fait un coup de frais. Donc je rince le masque, je mets vraiment beaucoup d'eau sur mon visage et ensuite j'applique ça. Je l'adore, je suis vraiment super contente de ce produit. Donc moi j'ai le 30 ml, mais j'ai l'impression qu'il dure une éternité. Ça doit faire 3 semaines que j'utilise, enfin j'ai pas vraiment la notion, mais là ça doit faire à peu près 3 semaines. Et vraiment j'utilise tous les matins et je sais pas si vous voyez, on a l'impression qu'il est encore plein. C'est vrai que j'économise quand même, j'en mets pas beaucoup, mais la texture, je sais pas si vous voyez, la texture c'est un bonheur le truc. Franchement je l'adore celle-là. Du coup voilà, je vous ai parlé du multi-masking. Je suis allée assez vite parce que je voulais pas non plus que cette vidéo dure plus de 7-8 minutes parce que vraiment je voulais juste vous les présenter rapidement. Je voulais leur dédier une vidéo mais pas non plus en parler pendant un quart d'heure. Du coup voilà, en résumé, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion de les tester, franchement testez-le, surtout le détox au charbon. Je pense que c'est le meilleur masque que j'ai testé pour le visage jusqu'à présent. Sur ce, je vais vous laisser, je pense que j'ai parlé super vite, là j'ai eu un débit de parole comme jamais j'ai eu un débit de parole sur mes vidéos, mais c'est vraiment parce que je voulais aller vite. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat parce que du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, des fois vous avez des exclus où je vous demande votre avis sur quelle vidéo je devrais faire ou comment je devrais la faire. Du coup voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, Twitter et Instagram parce que c'est en barre d'infos sous chacune de mes vidéos de toute façon, vous avez l'habitude. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait et moi je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo qui sera d'ici 3-4 jours. Ciao !